Changement et amis téléspectateurs de la télévision sans frontières du réseau évangélique. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Actes du verset 17e jusqu'au verset 32e. Je vais lire pour vous. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes.
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Parole du Seigneur. Yes, yes, yes. Alléluia. Gloire à Dieu, ami des ondes, cotoyens, ami internautes, cotobranchés, dans quatre coins monde là. L'évangile arrive sous grâce, mon Dieu. Rive sous. Heureux monde qui a ramassé en abondance. Heureux monde qui connecté. Heureux monde qui pas gaspiller quantique. Mais qui a recevoir et qui a prend. Heureux monde qui pas gaspiller la parole de Dieu. Avec cœur. Nous allons chanter encore une fois, 99, en créole, chant d'espérance. Moi, je voulais raconter tout partout comment Jésus remè moi sous la terre. Il est venu un jour, il était by ville pour moi. Nous faisons que nous, pour l'Esprit de Dieu, continuer à traverser nous. Et quand c'est un coup sérum, c'est un coup vitamine, c'est un coup comprimé. Yes, c'est un coup pommade. Égal à n'importe maladie, non, mou. N'importe maladie, l'esprit souffre. Gan pile moun Satan dérange l'esprit yo. Gan pile moun on parti dans l'esprit yo 80, 50, 10%, même 1% dans Satan l'a dérangé. Égal la dégage pour chanter cantique et puis pour l'esprit yo a ranger à non normal li ouvert cœur. Yes. Moi vle raconter tout partout. Comment Jésus remè moi? Yes! Sous la terre, il vini un jour pour li bay vili pour moi. Yeah. C'est un bel histoire m'a raconté. On allait! Jésus-Christ, yes! Mourit pour moi. Chanter, à nous adorer,
Oh,